De retour sur la 72 Sport, on est avec notre invité exceptionnel ce soir, Chris. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, merci de nous faire le plaisir d'être sur ce plateau de 72 Sport. C'est un plaisir de vous recevoir pour la première fois ici à LMTV Sarthe. On va voir tout de suite le petit résumé du match de vendredi soir. C'était à Boulogne-sur-Mer avec justement Boulogne-sur-Mer qui a entamé plutôt bien cette rencontre avec une action assez dangereuse au début de ce match. Réaction Mancel tout de suite après sur coup de pied arrêté avec cette tête de Maxence Derrien, le défenseur central Manceau qui arrive sur la barre transversale. Ça sera l'une des plus dangereuses occasions de ce match. Derrière, on a malheureusement l'expulsion de Durel Avounou à la demi-heure de jeu en première période. Et puis derrière, le Mans qui va souffrir peu à peu jusqu'à la fin de ce match, mais qui va résister avec un Pierre Patron impeccable et puis des frappes de Boulogne-sur-Mer qui passeront heureusement à côté du but. Vous avez revisionné, j'imagine, le match. Est-ce que c'est un bon point pris pour Le Mans ? Par rapport à la situation, par rapport au carton rouge qu'on a eu, oui, c'était un bon point. Après, Boulogne-sur-Mer venait d'une série compliquée aussi. C'était un match compliqué à jouer, mais l'équipe elle était prête à montrer un autre visage. Malheureusement, encore une fois, le carton rouge, ça change le rythme du match. Et après, voilà, on a essayé, on a eu des occasions avec Max, qui a la tête sur la transversale. Après, il avait Makalu aussi à la fin de la deuxième mi-temps. Sauf qu'il nous a manqué un peu de justesse. Mais au niveau état d'esprit, au niveau agressif, on a bien supporté cette équipe de Bologne. Après, oui, ça nous manque encore de marquer de but les petits détails. Vous êtes inquiet par rapport à la durée de suspension de Durel Avounou, qui pourrait prendre plusieurs matchs de suspension, 4, 5, peut-être 6 ? Au national, on connaît des situations que j'ai vécues avec des amis, des joueurs, et ils ont pris 5, 6. Ouais. Donc, oui, c'est une situation compliquée. On verra jeudi, je pense, la commission. J'espère pas, mais oui, je suis un peu inquiet. On va regarder le classement de ce championnat de national avec la 10e place pour Le Mans, qui est à 9 points. 9 points de Bourg-en-Bresse. On est à la moitié de la phase aller. Le Mans FC est donc 11e. Comment vous jugez ce premier quart de saison ? Oui, c'est vrai que le premier bilan, c'est pas satisfaisant aujourd'hui. On a eu un début de saison très agréable. On a joué 2 matchs à domicile avec 2 victoires, même 3 matchs à domicile, 3 victoires. Après, on se retrouvait un peu plus en difficulté. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur 15 points, les derniers 15 points, on a pris 3. Ouais. Donc oui, c'est dur, mais maintenant il faut réagir, il faut réagir. C'est vrai qu'à chaque match, on a eu des points positifs, qu'on a beaucoup amélioré, et maintenant, on n'a pas de temps. Est-ce que vous avez trouvé ce qui posait problème ? Pourquoi le Mans ne parvient plus à gagner depuis 5 matchs ? Parce qu'on l'a vu, il y a eu 3 victoires en 4 matchs avec une démonstration offensive assez belle. Et puis là, c'est plus compliqué d'aller marquer des buts et d'aller prendre les 3 points. Oui, c'est le championnat, c'est assez dur. Après, les équipes, quand ils jouent contre nous aujourd'hui, ils savent qu'on a une équipe explosive, ils savent qu'on a une équipe qui joue au ballon, qui sait qu'on peut sortir de derrière. Et, ils ont étudié notre manière. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut varier un peu plus. Il faut varier un peu plus dans nos jeux, être un élément surprise à chaque fois. Et ce sont des choses justement que j'essaie de mettre en place. Pour varier mes joueurs, de faire progresser mes joueurs, pour qu'on puisse à chaque match être des éléments surprises pour pouvoir faire la différence.
Il y a un point positif dans les derniers matchs, c'est que Le Mans encaisse beaucoup moins de buts. Un but seulement encaissé sur les deux derniers matchs, c'est bon signe, ça, j'imagine. Oui, c'est bon signe. C'est vrai que la plupart des buts qu'on prend, c'est des erreurs, que ce soit individuelles ou collectives, des erreurs que nous, on donne à l'équipe adverse. Quand on voit les buts qu'on a pris, c'est pas des constructions, des situations du jour que l'équipe adverse a construit. Donc voilà, c'était un élément qui je me suis appuyé vraiment aux entraînements. C'est le déchet technique de faire moins et justement pour renforcer le système défensif. Et là, ce match-là, même à 10, on a montré qu'on pouvait faire. On va faire un petit moment tactique, Chris, si vous le voulez bien. Parce que depuis le début de la saison, vous pouvez venir à côté de moi sur l'écran. Depuis le début de la saison, vous êtes plutôt adepte, on l'a vu, du 4-3-3. Alors, le 4-3-3, pour nos téléspectateurs qui ne seraient pas des professionnels du football. Donc, ça se dispose comme ça. 4 défenseurs, 3 milieux de terrain et puis 3 joueurs à vocation offensive. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce système de jeu, le 4-3-3 ? Ce qui me plaît, c'est justement les couloirs, l'utilisation des joueurs comme Kamara et comme Makalu, qui sont des joueurs puissants, sont des joueurs qui vont trouver la profondeur, qui peuvent vous rentrer justement à l'intérieur aussi pour aider Ndiaye. Et des fois, l'utilisation de nos deux latéraux qui peuvent être un élément surprise. Donc ça peut avoir du monde et dans ces systèmes-là, on peut changer aussi. On peut changer, que je peux libérer les deux latéraux. Et avec ma sentinelle, ça peut faire un 3-4-3. D'accord. Donc ça peut changer par rapport au match, ça peut changer par rapport à la situation de match. La polyvalence du 4-3-3. D'avoir des joueurs polyvalents justement pour amener en plus au match. Et on l'a vu justement notamment contre Concarneau, mais aussi contre Boulogne vendredi. C'est le test, un nouveau test avec un 4-4-2, si j'ai bien remarqué, un 4-4-2 losange. C'est ce que vous avez essayé de mettre en place sur le dernier match. Ouais. Pourquoi avoir fait ce choix et qu'est-ce que vous avez tenté dans ce 4-4-2 ? J'ai essayé de m'adapter par rapport à l'équipe que je vais jouer et surtout par rapport aux joueurs que j'ai en main. Donc aujourd'hui, en 4-4-2 losange, j'ai essayé de profiter avec Loïc Damou et avec Félix Tommy, qui sont des joueurs qui savent faire, qui savent aller cadrer. Et justement pour laisser plus d'espace à Djourel pour organiser justement cette milieu de terrain et pour alimenter un Beg et un Kamara. Et dans ce système aussi, il aura beaucoup de couloirs libres pour que les deux latéraux peuvent profiter aussi. À la suite de l'expulsion de Djourel, comment vous êtes adapté ? Vous avez changé le système ou vous avez juste… Là, à partir du moment que Djourel a pris carton rouge, ça veut dire que j'ai mis Félix côté droit, Beg côté gauche. On a fait deux lignes de quatre avec Kamara. Attaquant. Ouais. D'accord, ok, ça marche. Merci beaucoup pour cette séance tactique. C'est toujours intéressant d'avoir les mots d'un coach de très haut niveau pour comprendre un petit peu mieux le fonctionnement d'une équipe et d'un schéma tactique dans le football. On va regarder à présent le classement, on va le revoir à nouveau, et surtout le podium. On va s'intéresser au podium. Chris, quand on le regarde, il est assez surprenant. Bourg-en-Bresse, Villefranche, Annecy, qui, en début de saison, aurait pu dire que ce podium, ça serait ce podium après 9 journées de championnat. Est-ce que vous-même, vous êtes surpris ? Non, je ne suis pas surpris parce que quand on voit Bourg-en-Bresse, le recrutement qu'ils ont fait, c'était solide, des joueurs expérimentés, des joueurs qui connaissent très très bien le niveau national. Villefranche, ils ont gardé pratiquement la même équipe de la saison dernière. Et Annecy, ils ont eu une mauvaise saison la saison dernière. Et ils ont eu des petits changements aussi, mais ils ont réussi à garder le même effectif.
C'est le début de championnat, c'est la 9e journée de championnat très difficile, et il y a pas mal de choses qui peuvent changer. Quels sont les points sur lesquels vous êtes satisfait de votre équipe depuis le début de la saison? Les attitudes, que ce soit les attitudes individuelles, que ce soit les attitudes collectives, l'équipe, elle commence à prendre forme, l'équipe commence à prendre du caractère. Parce qu'il y a eu pas mal de changements aussi, d'arrivées des joueurs, même le staff est tout nouveau. Donc, le début, on était dans la motivation de jouer deux matchs à domicile et tout ça. On était présents. Et après, voilà, après la connaissance et tout ça, et je savais qu'on allait passer pour une période comme ça, assez dure. Et maintenant, voilà, maintenant, il faut continuer le travail. On a un match très important contre Chambly vendredi prochain. Voilà, il faut faire le résultat à domicile vendredi. Le caractère et l'état d'esprit, donc ça c'est le point satisfaisant depuis le début de la saison pour Le Mans FC. Et le point ou les points améliorés qui vous chagrinent un petit peu? C'est de gérer nos points faibles, nos temps faibles de match. Des fois, oui, on a envie de gagner, on a envie de montrer. Mais des fois, il faut être malin, des fois, il faut gérer le temps faible de match. Et c'est là qu'on a du mal, c'est là qu'on fait beaucoup des erreurs, il y a beaucoup de déchets. Et c'est pour ça que le travail de tous les jours, on essaye d'améliorer tout ça. On a vu le match contre Boulogne, au niveau défensif, on était beaucoup plus costaud. Calendrier plutôt abordable pour les prochains matchs du Mans FC. On parle de Chambly vendredi soir au MM Arena, le Red Star ensuite, Orléans. Il n'y a pas de match facile, hein, mais ce sont des adversaires qui sont derrière le Mans au classement. Trois équipes qui connaissent un début de saison plutôt compliqué. Vous n'allez pas vous priver d'en profiter, j'imagine. L'objectif, c'est de gagner, de retrouver la victoire. Donc oui, le travail il est là, on met les choses en place, on est de plus en plus exigeant avec nos joueurs de montrer le chemin de la victoire. On vient de deux matchs nuls, donc voilà. Et maintenant, c'est à nous de faire la différence parce que c'est que nous qui peuvent changer cette situation. Voilà, des matchs et puis également la Coupe de France qui va arriver le week-end du 16 et du 17 octobre, tirage mercredi soir. Dans quel état d'esprit vous l'abordez honnêtement? C'est priorité au championnat ou il y a de l'importance quand même avec cette Coupe? Je crois que tous les matchs, il a sa importance. Moi, comme joueur, j'ai eu le plaisir de gagner deux fois la Coupe de France. Je sais de l'importance de ces championnats. Donc, après, la Coupe de France, il y a quelque chose de différent. Même si on est le cinquième tour, voilà, l'équipe à battre, normalement, c'est la nôtre aujourd'hui. Donc, il faut être prêt parce qu'on peut retrouver des équipes qui vont vouloir tout donner contre Bien nous. sûr. Donc, et c'est ça le charme de la Coupe de France. Si l'équipe elle n'est pas prête mentalement, elle se fait éliminer. Avec des surprises, notamment. Et si Le Mans devait faire un parcours, un joli parcours en Coupe de France, quelle équipe de Ligue 1 vous aimeriez affronter ou préfériez affronter? Lyon ou le Paris Saint-Germain? Pour moi, n'importe, n'importe. Je crois que c'est... Ça va faire du bien pour le club, pour les supporters, surtout de jouer à domicile. Donc, ça va être un gros spectacle, que ce soit avec Paris, que ce soit avec Lyon, que ce soit avec un autre club de Ligue 1. On espère évidemment et on souhaite de faire un joli parcours dans cette Coupe de France et de réussir à vos objectifs dans ce championnat de national. Vous restez avec nous pour la troisième partie, Chris. Merci encore d'être avec nous et on part tout de suite sur la troisième partie de 72 Sports. La suite, à tout de suite.